Ce que tu fais, voici une œuvre que je travaille à côté. Après, je peux changer de côté, je peux utiliser ce côté comme je peux utiliser ce côté. Donc parfois, c'est comme ça. Mais comment est-ce que ça t'est venu de travailler sur de la tôle, en fait, finalement? Donc l'idée de la tôle est arrivée lors d'une discussion avec un aîné. Et cet aîné, c'était un, je vais dire, c'est quelqu'un qui travaillait sur l'imprimerie. Et lui, il était dans le déchet, il était dans le recyclage. Il me disait qu'il va aller avec ce qu'il travaillait, il devait repartir avec pour recycler. Je me suis dit, mais tiens, en rentrant chez moi, je vais commencer à me poser la question, mais pourquoi lui, il travaille avec cet outil, il va encore le recycler pour ensuite repartir encore acheter et retravailler encore sur le même support. Et comme c'était dans un quartier, dans un environnement qui est presque en mouvement, tout est en mouvement. C'est un quartier de Yaoundé qu'on appelle Vougala. Donc il y a le quartier des bars. Des bars forcément, c'est un quartier d'un commerce noir. Ouais. Donc le métal va être le client de ma recherche sur l'identité. Ouais, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai pris donc, le métal. Et le métal m'a apparu aussi comme quelque chose qui est dans, comme je veux dire, comme une monnaie du système capitaliste. Je repars dans le vent. La toile, pour toi, qu'est-ce qu'elle représente, la toile, comme support, en fait? La toile, en fait, le premier élément que je prends sur la toile, en fait, c'est un peu comme une enveloppe. Mais pour moi, si je prends l'expression de l'enveloppe, c'est-à-dire il y a une curiosité à l'enveloppe, c'est de l'ouvrir et apprendre de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour moi une toile c'est l'enveloppe. Donc cette enveloppe c'est juste ce que je présente comme masque là actuellement, c'est aussi l'enveloppe de ce qui est derrière le message, derrière le courrier. Comment te vient cette idée? Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé? Est-ce que c'est quelque chose qui est finalement qui arrive par hasard? Parce que c'est très structuré en même temps. J'ai utilisé ce jeu de mots un jour. J'ai dit, je suis entré, ah c'est officiel, je suis entré dans la théorie. J'ai abandonné la pratique comme mes collègues sorciers. Si mon œuvre a une prise de position visuelle, a cet impact, elle vous donne une réponse. Elle a non seulement un côté naïf, mais un côté vrai. De toi, je repars.